Fatshi entre le marteau et l'enclume. Il se retrouve aujourd'hui en face des conséquences de ces accords de faire partir la République démocratique du Congo dans la communauté des États d'Afrique de l'Est. Il va subir les conséquences, qu'ils le veulent ou pas, la communauté, comme a proposé le président Uhuru Kenyatta, de former une force et une zone tampon en République démocratique du Congo, donc à l'est de la République démocratique, où cette force va être établie, justement pour essayer un peu de terminer cette histoire de phare d'essai, donc disons de rébellion et de l'insécurité. Le Rwanda sera-t-il fait partir de cette force-là? Nous allons en parler dans cette édition. Mesdames, Demoiselles et Messieurs, bonjour. Donc, bienvenue à Contact Pro Live. Donc, vous aviez suivi donc, tous. Donc, aujourd'hui, nous sommes lundi 20 juin 2022, où le président Tshisekedi devrait participer à cette réunion de l'EAEC, où les communautés des États d'Afrique de l'Est, où nous avions récemment signé les accords de faire partir là-bas. Et Félix Tshisekedi avait vanté l'adhésion de la République démocratique du Congo dans cette communauté, que cela nous était à notre bénéfice. Maintenant, le problème, nous allons dans cette édition essayer un peu de voir et de disséquer. Selon toujours notre constitution, y a-t-il eu des bavures? Y a-t-il eu, est-ce qu'on avait suivi les procédures enfin pour que la signature de l'adhésion de la République démocratique du Congo dans cette communauté là? Est-ce que toutes les procédures ont été épuisées? Avons-nous étudié cet accord là qui donne maintenant la suprématie, donc tout le droit à ce que ces États-là puissent recourir à la force pour créer une zone tampon sans armes. Voilà ce dont nous allons parler aujourd'hui dans cette émission avec laquelle nous commençons la semaine qui va nous mener vers la fin du mois de juin. Et toujours, donc, il y a en République démocratique du Congo, il y a une turbulence terrible. Le peuple congolais veut la guerre et veut en finir avec le Rwanda. Serons-nous capables? Nous allons, dans toutes ces histoires-là, donc, dans tous ces faits qui passent en République démocratique du Congo, surtout cette semaine, nous allons l'analyser et puis nous allons répondre finalement à toutes les questions. Beaucoup de questions surtout m'ont posé ce week-end. Vous m'aviez envoyé en tout cas une multitude de questions me demandant si est-ce que Fatshi doit accepter ou bien il ne va pas accepter. Est-ce qu'il y aura, qu'est-ce qui pourra arriver si Fatshi se dit qu'il se désolidarise avec cette communauté-là? Est-ce qu'il aura raison? Est-ce qu'il aura ce gâte de refuser toute cette force de venir encore en République démocratique du Congo pendant que nous savons que nous avons la MONUSCO, nous avons déjà le Kenya sur notre terre, nous avons l'Ouganda déjà sur notre terre, nous avons les Tanzaniens qui sont là. Donc, toutes ces forces-là, on ne voit pas quelle est la nouvelle force qui sera encore acceptée. Voilà tout ce que nous allons parler un peu en bref dans cette émission. Et avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre le grand titre à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Et puis nous revenons tout de suite après pour développer notre sujet. Voici le grand titre à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. Conflit congolo-rwandais, Julien Paluku Kaongi appelle la population à la retenir. RDC, nouvelle défection d'un cadre du PPRT.
PPRD de Joseph Kabila. Fin des tueries au nord et au sud Kivu, en Ituri. Ça, c'est la déclaration du chef des ADF, Moussa Baloukou. Vous allez lire ça dans election-net.com. On va sur actualité.cd. Découverte d'un corps macabre, d'un corps à Malepe, RDC Beni. Et puis Lumumba, émotion à des excuses. Bruxelles pour la remise d'un relique du héros congolais. Assassinat Lumumba, le premier ministre belge, nouvelle des excuses de la Belgique. On va sur Congo profond. Kasumbalesa, infrastructure, le maire de la ville lance le débit de travaux d'assainissement du terrain d'Omnisport. Hilton annonce l'ouverture de deux nouveaux hôtels à Douala. Ituri, la Monisco dote 5 radios communautaires de kits d'alimentation solaire. Et puis, nous allons sur 7/7. Construction de mur entre la RDC et les Rwanda va coûter 506 millions de dollars à raison de 2,2 millions par kilomètre. Et ça, c'est Muzito qui parle. Et puis, agression de la RDC par le M23 Rwanda. La situation est grave. Reconnaît Félix Tshisekedi qui appelle à mettre de côté les divergences pour se mobiliser derrière l'armée. On termine par Radio Okapi. Nord Kivu, nouveaux affrontements entre FRDC et M23 dans le groupement de Bouenza. Tanganyika, les agences de l'ONU restent après le départ de la MONUSCO. Bruno Le Marquis parle. Merci, on se retrouve prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mesdames, demoiselles et messieurs, si nous allons dans la Constitution, nous avons les prérogatives du président de la République. Et ces prérogatives lui donnent justement possibilité de signer les accords avec les pays étrangers ou bien les organisations ou tout ce qui concerne les accords extérieurs de notre pays. C'est dans ses droits. Ça, c'est le droit du président de la République. Mais quelle est la procédure à suivre? Nous avons cette procédure-là dans la Constitution. Pour tous ces accords-là, la Constitution nous donne l'acheminement. Il nous donne comment est-ce que nous devons faire. Le président ne peut pas se réveiller aujourd'hui et il va signer les accords comme il est en train de faire aujourd'hui. Il est parti au Burundi, il a signé les accords de construction de routes sans que même le Parlement ne soit impliqué. Là, dans tous ces accords-là à l'extérieur, il est demandé au président de la République de les ratifier, de les signer dès qu'on a déjà étudié et dès que le Parlement a déjà donné son point de vue. Pourquoi ça? Parce que ces accords, souvent, comportent des trucs et des courbures que peut-être le président de la République ne peut pas directement déceler. C'est ainsi qu'il lui est demandé, dans ces accords-là, il faut que ça soit vers le Parlement et le gouvernement aussi informé et que les études soient faites prérogativement, donc avant d'aller signer tous ces accords. Nous avions suivi que le président de la République a abrogé tout ça. Il a signé avec les Rwanda, les accords économiques que les gens ne comprennent absolument pas. On ne connaît pas le contenant de tous ces accords-là. Il y a la semaine passée, Mbosso, avant la fermeture, on s'est posé la question. Il se disait qu'on a informé tout simplement le Parlement. Est-ce que c'est ça le pouvoir que Fatshi voulait? Est-ce que Fatshi voulait respecter la Constitution comme elle lui avait demandé Joseph Kabila? Nous voyons ici que la Constitution doit être respectée dans tous ces petits angles. Et ça nous évite maintenant à tomber dans les erreurs qui vont coûter maintenant la République, toutes ces histoires ici. Est-ce que maintenant nous voyons du côté de la Cour constitutionnelle? Parce que si par exemple aujourd'hui, les communautés d'Afrique de l'Est qui vont décider, j'espère qu'ils vont décider, de former un contingent pour venir créer une zone tampon. Est-ce que cela n'aura-t-elle pas
toutes les formes de la violation de la Constitution par le président de la République. Et qui doit constater cette violation-là? C'est la Cour constitutionnelle. Mais ici, nous voyons que la Cour constitutionnelle étant dans la poche du président de la République, comme il voulait, donc la Cour constitutionnelle va rester silencieuse. Et même si aujourd'hui le peuple congolais constate qu'il y a des violations, personne n'osera à soulever son petit doigt en disant que non, le président a violé la Constitution et que nous puissions le démettre de ses fonctions ou que nous puissions lui poser les questions. Parce que, imaginez-vous que le président de la République ne discute pas avec le gouvernement. Il collabore avec le gouvernement. Il ne discute pas avec le parlementaire. Le Parlement n'a pas de poids, le Parlement, parce que c'est le Parlement aussi qui peut proposer en disant que non, le président a brogé ou bien a violé la Constitution. Est-ce que notre Parlement d'aujourd'hui peut-il vraiment se dire que non, nous allons voter une motion contre le président de la République? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que déjà, le président de la République a cherché à tout faire avoir la majorité. Parce qu'à ce moment-là, vous n'avez plus aucun moyen de le traduire en justice qu'il a violé la Constitution. Mais les violations continuent du jour au jour. Mais où est-ce que nous constatons que le Fachi est bloqué? C'est parce que maintenant, la grogne populaire, tous les Congolais aujourd'hui, sont pour que nous puissions aller en guerre. Mais qu'est-ce qui empêche que le président de la République ne déclare pas la guerre? Parce qu'il y a aussi, par là, selon la Constitution, des démarches que le président de la République, avant de proclamer une guerre avec un autre pays, il y a des démarches ou bien qu'il faut suivre. A-t-elle suivi ces démarches-là? Vous avez la réponse. Pourquoi je vous dis que vous avez la réponse? Parce qu'en déclarant, par exemple, l'état de siège, vous allez comprendre qu'en déclarant l'état de siège de l'Ouest de la République démocratique du Congo, le président n'avait même pas besoin des histoires-là de parlement. Donc, il a fait cette histoire-là sans pourtant qu'il y ait préparation. C'est comme ça que nous tombons dans les erreurs. La préparation, c'est-à-dire quoi? Nous allons mesurer la logistique, est-ce que notre armée est-il vraiment capable d'aller en guerre? Est-ce que notre armée est-il capable de terminer ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo? Mais on est parti directement en déclarant l'état de siège comme ça, et puis on se rend compte que non, nous avons été mêlés dans la farine parce que les données qu'on nous a données n'étaient pas exactes. Le nombre de militaires qui opéraient à l'Est n'était pas celui qui était sur papier qu'on lui proposait. Est-ce qu'a-t-il eu le temps vraiment de regarder quelle est l'importance de cet état de siège? C'est ce que nous connaissons aujourd'hui. Donc l'état de siège a pratiquement échoué parce que sur notre territoire aujourd'hui, il y a une certaine occupation. Et dans le même état où, dans le même espace où c'était déclaré état de siège, c'est là le grand problème. Maintenant, la question est de savoir, maintenant notre Parlement, y a-t-il quelqu'un qui va avoir du gâte en se disant, interpellons par exemple le président de la République, ou comme on n'est pas en mesure d'interpeller le président de la République, est-ce que nous pouvons initier une motion de destitution de Fachi? Parce qu'il y a violation de la Constitution. Mais comme c'est un Parlement dans la poche de Fachi, personne n'aura ce gâte-là de se dire que non, nous allons mettre Fachi, destituer le président de la République ou l'accuser de haute trahison. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une haute trahison. Il ne faut pas se voiler la face. On ne peut pas se voiler la face. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une haute trahison. Il y a des armées étrangères qui sont sur notre terre, notre territoire, qu'on n'a jamais informé le Parlement. Le Parlement n'a jamais été informé. Je ne sais pas si le Parlement a été informé que les Kenyans devaient être sur notre territoire. Non. Ce sont des histoires-là qu'on vous dit que non, nous récupérons les pouvoirs. C'est-à-dire que toutes les autres institutions n'ont plus un mot à dire ou ce sont des institutions qui se trouvent dans la poche du président de la République. Il va commencer à faire ses histoires, il va commencer à gérer le pays
comme bon le semble, il peut se réveiller aujourd'hui, se dire, bon, nous allons donner une partie du territoire au Rwanda. Maintenant, par exemple, que ces États-là d'Afrique de l'Est, qui tous, presque tous ces États-là, ont une certaine convoitise, ils convoitent vraiment la République démocratique du Congo. N'est-ce pas maintenant l'occasion à ce que ces États-là vont contrôler l'Est de la République démocratique du Congo? Est-ce que ce n'est pas maintenant la phase de la décapitation de notre pays? Où on va balkaniser carrément, on se dira, parce qu'en créant une zone tampon, c'est-à-dire que ce n'est plus la République démocratique du Congo qui aura le contrôle de cette zone-là. Ça signifie quoi? Ça signifie que nos phares d'essai ne sont pas en mesure de sécuriser cette zone-là. Et maintenant, on va encore enfoncer le clou en disant que c'est là où se trouvent tous les groupes armés qui peuvent menacer ces États de l'Est, les États de l'Afrique de l'Est. L'Ouganda va dire que non, les ADF sont là. Le Rwanda va dire que les rebelles Hutus, ou bien les criminels se trouvent cachés au Congo. Donc, ils ont pratiquement droit de venir avec cette force-là pour assurer un peu la sécurité. Cette sécurité-là, donc, nous allons perdre nos terres. Nous ne ferons plus partir pratiquement de la République démocratique du Congo. Cette partie-là où cette force doit contrôler et mettre fin aux groupes armés, appartiendra, ça sera une zone tampon où la loi qui dirigera là-bas, ça sera maintenant les États de l'Afrique de l'Est. C'est ça l'opportunité qu'ils vont choisir maintenant de balkaniser notre pays. Ça, c'est ma réponse à tous ceux qui m'ont demandé, est-ce que ce n'est pas le déclic pour la balkanisation? J'ai dit oui. Si Uhuru Kenyatta, rappelez-vous, je vous avais dit, le Kenya fait beaucoup de bons business au Congo. Si le président Kenya était venu au Congo, il y avait un nombre calculable de tracts qui étaient bloqués parce qu'il y avait l'insécurité dans la zone de l'Est là-bas, parce que les camions du pétrole et tout ce business-là ne pouvaient pas arriver jusqu'à Arua ou même jusqu'à Kisangani, parce que le Kenya exploite cette zone-là. Il y a des camions qui traversent l'Ouganda pour venir, qui quittent le Kenya pour venir vendre du pétrole au Congo. Et il y a des va-et-vient, donc le Kenya aussi profite de cette histoire-là. Et c'est l'occasion maintenant de se dire que non, nous allons prendre cette zone-là en contrôle parce que nous sommes à mesure de mettre la paix là-bas. Bien sûr, s'ils le font, maintenant ça sera à l'avantage de qui? L'Ouganda va accélérer maintenant. Il va accélérer maintenant ce projet-là de construction de cette route qui va de Goma jusqu'à Kasindi, jusqu'à Bunia là-bas. Et une route qui va à peu près une affaire de 300-400 kilomètres.
Rappelez-vous que l'Ouganda avait, dans son parlement, avait analysé le bienfait de cette route-là pour l'Ouganda. Et il avait dit que non, il y avait beaucoup d'argent dans ce territoire-là, que l'Ouganda devrait profiter s'il y avait de bonnes routes. Il va vendre au Congo et il va profiter, que l'Ouganda va beaucoup profiter que le Congo. Nous serons un marché encore plus probable, un marché certain pour terre de l'Ouganda, où ils viendront vendre leurs histoires, où ils viendront vraiment faire leurs bonnes affaires au Congo. Mais maintenant, si cette force-là contrôle là-bas, je crois que vous allez voir qu'à un certain moment, au début, le peuple, si Tshisekedi tombait dans ce piège-là, parce qu'il l'est déjà, il y aura une certaine accalmie. Il n'y aura plus de groupes armés qui vont opérer de ce côté-là. Mais nos minéraux seront pillés jour et nuit. Parce que ce sont ces gens-là, leurs militaires, qui seront en contrôle de tout. Notre douane ne fonctionnera pratiquement plus. Nous n'aurons plus aucun mot à dire sur ce territoire-là des zones tampons. Ça sera une zone tampon où il y a de l'insécurité. Ils feront de sorte que, même s'ils peuvent perpétuer l'insécurité, mais comme ça sera à leur contrôle, il y aura une certaine accalmie. Il n'y aura plus de groupes armés. Ils vont mettre de l'ordre là-bas. Ces gens-là sont capables, ils mettront de l'ordre. Et même le peuple congolais se trouvant sur ce territoire-là, voyant cet ordre-là instauré, voyant maintenant des structures de développement commencer à prendre place, nous aurons pratiquement à dire « Foutek Kinshasa ». Et la balkanisation de notre pays aura effectivement lieu. Parce que le petit peuple en bas vont maintenant humer cet état de paix, état d'organisation, état de l'ordre. Même s'il y aura une certaine dictature, mais à un certain moment, lorsque nous serons habitués, nous allons perdre cette forme de liberté que nous avons avec nous au Congo. Il y aura une certaine ordre qui sera imposé à ce territoire-là, qui sera différent de l'ordre du Congo. Et le peuple congolais de ce côté-là vont se dire, ah, Kinshasa, on nous vole, Kinshasa, on nous pille, Kinshasa, on fait ceci. Mais regardez les gens qui sont en train de nous maintenir de l'ordre, ce qu'ils sont en train de faire. Autant mieux rester, autant mieux que nous puissions faire que cet état tampon puisse se déclarer un état pratiquement indépendant. Et ce sera la balkanisation de notre pays. Ça sera la première de balkanisation que nous aurons connue sous Fatshi. Parce que nous avons déjà, je vous avais dit dans mes vidéos, que les boutons sont tout en vert pour la balkanisation de notre pays. Il ne reste plus que certaines mécanismes à mettre en place pour que l'Est pratiquement commence à se dire que non, nous, avec Kinshasa, on se coupe. D'ailleurs, nous avions tombé dans le truc où l'Est, à Butembo et dans cette région-là, il n'y avait pas d'élection pour le président de la République. Le peuple congolais, dans cette partie-là, va commencer à remémorer, à se dire, peut-être après 6 mois ou bien une année, parce que le temps qu'ils vont faire là-bas ne sera pas limité. Jusqu'à ce qu'ils vont dire, par exemple, jusqu'à ce qu'il n'y a plus des armes qui circulent, qui aient de l'ordre. Parce que le Congo n'est pas à mesure d'apporter cet ordre-là. Mais maintenant, à Contact Pro Life, pour ne pas aller plus loin, en vous donnant le fait, nous disons, nous devons apporter des solutions. Nous devons parler des solutions. Quelles sont les solutions que nous pensons que ça peut sauver notre pays? D'abord, il faudrait que là où le président est, soit ferme en disant qu'il n'est pas d'accord qu'il y ait une force qui puisse encore revenir au Congo. Pourquoi je dis ça? Il faut qu'il se base sur que tous ces armées de ces États d'Afrique de l'Est, toutes ces armées-là sont sur le sol congolais présentement. Il y a les Rwandais qui sont du M23, ils sont là. Il y a les Kenyans qui sont là. Il y a les Ougandais qui sont là. Et d'autres même, il y a des Tanzaniens qui sont dans le casque bleu de la MONUSCO.
Toutes ces forces sont en République démocratique du Congo. Donc, le président de la République, s'il a, il a le garde, il doit se dire, si c'est ainsi que vous jugez, moi je quitte votre communauté et j'ai droit à me défendre, c'est mon pays. Il ne doit pas accepter cette force-là de venir à dire à ceux que dans cette partie-là, ils vont assurer de l'ordre. Ça sera une déclaration, une vente de notre territoire comme ça. Ça sera une déclaration. S'il acceptait, alors là, tout va, ce pays-là vont vraiment être contents parce que ça sera le moment précis où ils attendaient à ce qu'ils puissent balkaniser ce Congo ici. Et de ce moment-là, la communauté internationale aussi va supporter ces États-là en disant que non, ils vont mettre de l'ordre, ils vont leur faire confiance parce que ça sera une certaine acceptation d'échec de mettre de l'ordre chez lui et d'inviter son ennemi de se dire que nous ne sommes plus à mesure de mettre de l'ordre chez nous, venez nous aider. Et en vous aidant, on va vous dire que le Congo est trop grand, il faut que vous divisiez et vous restez avec l'Ouest et que c'est à partir de cet état de l'Est-là qu'on déclare ça un état nouvel. Et ces gens-là, comme ils sont très malins, ils peuvent même aller influencer la communauté internationale d'accepter cette histoire de balkanisation du Congo. Comme ils l'ont fait au Soudan. Il y aura des référendums après un certain temps lorsque je vous disais que non. Ils seront en charge. Ils vont prendre tout en charge et ils vont contrôler et ils vont mettre de l'ordre. Et le peuple à l'Est va humer cet état de paix en se disant que leurs affaires sont en train de grandir. Pendant ce temps-là, ils vont nous dominer. Il y aura de tout ce qui nous dominera, qui domine déjà le business pour l'instant. Goma, si vous n'êtes pas à mesure, si vous n'êtes pas tous ici, si vous n'êtes pas en connivence avec certains rebelles, avec certains généraux, tu ne peux pas faire le business. Et donc, vous devez être déjà de cette communauté-là pour que vos business puissent prospérer. Mais si vous êtes de quelqu'un d'ailleurs, c'est pratiquement impossible. Donc, nous allons pratiquement accepter. Si je dis, ça c'est le premier point, si je dis que le président de Tshisekedi accepte à ce que ces États-là puisse venir avec cette force multi-africaine, donc cette force dans cette zone tampon, ça sera là une acceptation d'échec et le premier point sur la balkanisation du Congo va entamer. Donc il ne faut pas absolument qu'il accepte cette histoire-là. Il faudrait que le gouvernement s'interpose en se disant nous devons respecter les normes internationales, mais nous nous retirons. Pratiquement, parce que le fait c'est que vous, qui est déjà une zone tampon, ça sera déjà maintenant comme un no man's land. Donc les minerais pourront être exploités par n'importe qui, nos ressources pourront être prises sans qu'il y ait contrôle, parce que le Congo va perdre finalement le contrôle de cette partie-là. Et ça c'est le point le plus principal que nous sommes en train de nous dire, nous attendons ce soir lorsque